Hello, c'est Jessie. Aujourd'hui, on est le 12 décembre, donc on va ouvrir la case numéro 12. Allons-y! C'est pas trop possible de le sortir à une main. Je sais pas s'il va y arriver. Peut-être. En fait, non, peut-être pas. Voilà. J'ai pas réussi. Voilà. Et voilà. Donc, c'est un squishy un peu spécial. C'est-à-dire que bah, quand je l'ai commandé, il était tout nouveau. Ils n'en avaient pas encore eu fêlé comme ça. Alors, il est tout, je sais pas comment dire, tout moelleux, tout flat. Mais ça, genre vraiment la texture est assez étrange. C'est pas. J'aurais pu penser que c'était comme les squishies, ceux qui sont en silicone souple. Genre le poulpe, l'éléphant, etc. Enfin, ces petits squishies là. Mais en fait, non, pas vraiment. C'est pas la même matière. C'est beaucoup plus mou en fait. C'est hyper étrange. Bon, bref, on va le déballer. Et on va voir ce que ça donne. Let's go! Et voilà. Alors la matière, elle est super bien parce que il est pas gras ou comme ça. Et puis, bah, elle est vraiment mou, flasque. Peut vraiment, ouais, le déformer si je peux dire la chose comme ça. Mais ouais, franchement, il est super cool. Du coup, on peut le manipuler, disons, sans avoir ben, les mains grasses comme les squishies en silicone souple, où c'est un peu tout gras après quand on les a manipulés. Donc l'extérieur, c'est du caoutchouc. Et puis bah sinon il faut quand même faire un peu attention parce que genre l'extérieur il peut se déchirer si on exerce une pression trop forte apparemment. Sinon on peut le tirer. Moi j'ose pas trop le tirer. On est censé pouvoir les tirer. Voilà, j'ose pas trop. Sinon, vous voyez, ils gonflent comme ça. Bon, il peut plus gonfler, mais j'ose pas trop. J'ai des ongles quand même. On les peut faire comme ça.